Bienvenue dans cette vidéo qui est un passage de mes lives. Donc pour manquer aucun moment comme cela, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, allez me suivre sur Twitch. Donc twitch.tv/dankose, D-A-N-T-C-O-S-E, puis enjoy the video. Un jour le monde de Twitch me reconnaîtra. Le boss quoi? Oh ben oui, ben oui. Ben oui. Ninja, c'est rien, là. C'est tout le monde... tout le monde dit, ouais, Ninja, il a battu des records sur Twitch, man. Genre, t'es pas prêt, là, avec moi, là. T'es pas prêt mentalement, là. Moi, je vais pas battre les records de Ninja, là. Je vais les péter, ces records, là. hein? Faut bien rêver. Chevalier de la mort. Eh bien, il en a fait un café glacé rien qu'en le regardant. Ah, ça a pas d'allure. Bon travail. Continuez sur votre lancée. On va prendre ça. Là, pour vrai, il nous manque juste comme 718. Continuez comme ça. De cote. On est correct. Non, pas 718. 778. Et on est correct. Fait que à peu près deux. Non, pas deux games ici. Moi, je dirais 5 top 1. On est correct. 5 top 1 d'affilée. Le tour 2, on a déjà tué 5 serviteurs, fait que c'est bon. On va voir, avec Ragnaros, faut vraiment, faut juste pogner des serviteurs le plus possible. Bon là c'est sûr que je l'applique pas trop la règle. C'est vraiment ça le truc avec Ragnaros au début de game. Tu pognes le plus de serviteurs possible pour farm ton pouvoir. Et je viens de recevoir un message. Je vais juste me mettre en ne pas déranger. C'est pas le temps de... Ce n'est pas le temps d'être au téléphone. Voyons. Genre juste là on est à 17, on a quand même avancé 3. Au vrai, je pense pas rester qu'on va garder ces serviteurs-là. Fait que autant prendre des serviteurs qui sont déjà buff. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Et regarde, on va prendre ça pour vraiment avoir plus de chances de tuer des serviteurs. Contre AFK, je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris comme serviteur de niveau 3. Ils ont quand même mis. Quand même rajouté les nouveaux serviteurs. Avec les affaires de provocation. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Montre-nous notre pouvoir. Donne-nous la force de notre pouvoir. On est déjà à la moitié de fête au tour 4. Ça c'est le fun. Ça c'est le fun. Fait que là. On va pas level up. On va vraiment. Là pour l'instant.
On va. Oh, on garde clairement ces deux-là. Plus la parieuse. On va clairement garder ça. Et à date, pour l'instant, on est en. On est en 3-0. Ben, on a fait une égalité. En tout cas, on a. On n'a pas perdu encore. Et ça, c'est le fun. Là, lui, il y a Murloc. Fait que ça va pas vraiment nous avancer beaucoup. S'il est full board, il va nous rester 5. S'il est full board, il va nous rester 5 de serviteurs à tuer. Et après ça, on va être correct. Fait que tour 7, on devrait débloquer notre pouvoir. Et c'est là que le fun commence. Pour vrai, j'aime mieux ce pouvoir-là de Ragnaros que l'ancien de Ragnaros. Mais c'est ça, ces serviteurs-là, je trouve qu'ils sont intéressants. Mais je trouve que ça serait le fun qu'il monte le niveau de ce serviteur-là. Mais que les buffs qu'il donne restent. Comme le champion de Xarz. Je prononce pas ça bien. Mais c'est à peu près la même chose qu'il fait. Comme il buff plus de personnes. Ben pour vrai, on level up. Et je pense que. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Lui, c'est quand même intéressant. Je pense qu'on va en vendre un des deux. Hein. Et on va geler ça pour garder le gros boom. Puis là, on devrait avoir notre pouvoir après ce combat-là. Si tout va bien. Il joue pirate évidemment. Mais comme bête, Murloc. Ouais. Lui il joue pas mal Melly Mello. Mecha, bête, puis Murloc. Ok, fait qu'on est deux à jouer pirate. Il reste, c'est le reste. Fait qu'on débloque notre pouvoir. Ça, c'est le fun. Parfait, là le fun commence. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ok, oh, next tour on a le pouvoir. Ça c'est le fun. On pourrait vendre de quoi puis level up, hein, pour vrai, on est pas... pour l'instant on est correct. Là, on va full boost ces deux-là. Parce que pour vrai, ce serviteur-là, je trouve qu'il est sous-coté. Oui, il est taverne 1. Mais ça reste qui est important. C'est important, là, ce serviteur-là. C'est une 2-2, provoque, puis réincarnation. Excuse-moi, mais ça peut toffer, là. C'est sûr que là aussi en ce moment, genre notre board veut rien dire. Tu sais, il y a du mecha, puis il y a du pirate, puis. Ça veut rien dire. Mais. Ça va donner de quoi? De très intéressant. J'en suis sûr à 100%.
Pas le meilleur, mais. Ça, c'est très bon. Ça va être égalité sur. Ça a été très chaud. On a encore deux qui ont pas perdu. Wow. Il y avait quoi? Il y avait pirate. Quand un sto la renvoie dans votre. Ouf. Yes, donne 5-5, ouais. On va prendre ça. C'est pas des beaux choix qui m'ont qui me donnaient là. Mais quoi que lui on peut le vendre. La chance est de mon côté. Qu'est-ce que tu m'offres en plus? Ça. Ouh, on va attendre. Parce que comme ça, ils vont. Les deux, ils vont pouvoir avoir un buff quand même intéressant. Avant. Et à place d'avoir un 3-3, ils vont avoir un 6-6. Puis après ça, je vais pouvoir les triple, quoi. C'est le fun, ils sont tous à 1 PV. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Ok, fait que là, ça on peut. Je parle ça. Puis, est-ce qu'on va chercher le 6? Ah ouais, on va aller chercher le 6. Ça, ça peut être bon. Tôt comme ça, là. Ben, tôt. Hein, on va dire qu'on est tôt dans le game. Et en plus, il va avoir un 3-3 à chaque fois. Lui aussi. Fait qu'il va pouvoir être plus résistant. Il va pouvoir toffer plus longtemps. Lui, ben. Il va monter, tout simplement. C'est sûr qu'on aimerait ça, avoir plus de provoque. Au pire, si on pogne, c'est... Ouais, le ennuyau module. Si on pogne ça, on va fusionner avec un gros boom. Là, pour vrai, j'ai un peu peur de la suite. Lui, il est full pirate. Mais pour qu'il aille... pour qu'il n'ait pas perdu encore, je me demande si comme s'il est boosté vraiment là, on s'est pas encore battu contre lui, c'est ça qui me fait le plus peur. Mais pour l'instant on est correct là, pour vrai. On va, ouais, on gagne ça. Ça, c'est un très bon swipe. Attaquez-moi lui, là. Attaquez-moi ça, là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh, il a perdu. Perdu contre qui? Perdu contre lui. Il est rendu puissant, c'est quoi? On va prendre ça. On va prendre lui.
Qu'est-ce qu'il y a de quoi? C'est intéressant, non? Fait que je vais faire ça. Puis, on va geler. Puis, next turn, on va prendre le bras de l'Empire. Parce que ça me tente pas de vendre un des gros booms. Parce que c'est utile. C'est vraiment utile. Là, lui, il va être en 13-15. Lui en 25-24. Puis la 16-16 va pouvoir quand même monter. Elle va pouvoir monter plus. Oh, attends, il y a le capitaine. Il est mort, lui. Goodbye, Captain. Beau travail. Continuez sur votre lancée. Fait qu'on prend lui. Après ça, après ça. On va triple ça. Juste avant, est-ce que je pourrais faire de quoi? Non, on va faire ça. On va voir qu'est-ce qu'il m'offre. Ça va être vraiment intéressant. Surtout si je fais genre ça. Oh. Ok, là on est en business. Parce que là, lui, à chaque fois qu'il va invoquer, ça va être une provocation. Fait que ça va pouvoir buff lui. C'est intéressant. Donc, je vais juste le mettre comme ici. Comme ça. Lui, full. Ben, full. Il y a des mechas. Il y avait quand même lui. Il est rendu. Faites attention. 3 lui? Eh oui, il coûte 3 le Sensei maintenant. Ah ben. Ça, c'est un beau swipe. J'aurais pu avoir mieux, mais on prend avec. Ah ouais, boost-moi là, là. Ta chance. Non, fallait pas qu'il attaque lui. Parce qu'il est mort. C'est même pas encore battu contre Nonoeil. Pour vrai, on va prendre le bouclier divin, hein. Prendre ça. Justement, je voulais de la place pour le board. Il y a trop de choses là. Je pense que je vais vendre lui. Vendre la maman. Et là, on va boost ça.
On va boost ça, parce que là, tout le monde va l'attaquer. Fait qu'elle va avoir besoin de plus de résistance. Puis en même temps, ben, ça va booster ces Voyons deux-là. si vous parvenez à rester en tête. J'espère. Ça fait mal. Ok, égalité. On est encore. Première fois qu'on se bat contre lui. Tour 13. Non. Allez-y, engagez une de ces recrues. On est comme. Obligé de trouver ça là. Lui, il est pas assez boost. Je pense qu'on va le mettre là pour ce tour là. Il a pris 10 de la porte du Renault. Pour vrai, lui, il va juste. Lui, là, faut qu'il perde contre le Ghost. Faut qu'il perde. Sinon, on va pas être capable de le battre, là. Avec son Bran en or, il fait juste buff. Avec son 19-25, là, la carte 19-25. Il fait juste bof avec ça. Mais ça, c'est plat Murloc, là. Pour vrai, le gars. C'est dommage. Pour vrai, c'est dommage. Admettons qu'on perd à cause que le gars, il joue Murloc. Pour vrai, je trouve ça dégueulasse, là. Fait que c'est pour ça que lui là, faut qu'il se fasse boost là. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Il était quand même. Ok, on a été chanceux. Là, on va se battre contre un ghost, ouais. Ouh, ça c'est le fun. Oh, vous passez à la vitesse supérieure. On passe à la vitesse supérieure. On va mettre ça avec. Comme ça, là. Je sais pas si on booste lui. Parce que là, faut qu'on ait des chances de battre lui, là. On va se le dire, il va réussir à battre le neneuil. Faut qu'on. Là, lui, déjà, il va être capable de faire mal, quand même, et de survivre. Je pense qu'on. Ouais. Faire ça de même.
Je vais mettre la Maxina là. Elle va pouvoir se faire up un petit peu. Être Tout le monde vous a dans le plus collimateur. Faites forte. attention. Et avec le contre le Ghost, c'est victoire. On n'a pas de problème avec ça. C'est surtout que ça buff un peu mon celui-là là. Ça le buff un peu au moins avec ce combat là. Et là je vais me battre contre Reno. Au travail. Continuez sur votre lancée. Fait que c'est là que tout se décide. On va level up hein. Rendu à ce stade-là, je sais pas quoi chercher, tu sais. Série de 11. On risque de perdre à cause de Murloc. On va perdre notre série de 11 à cause de Murloc, là. C'est chien, pour vrai. Imaginez quand il y avait l'option, ben quand il y avait le Megazord, comment c'était encore plus chiant. Tu sais, Murloc, tu faisais juste les adapter, Furie des Vents, Divine Shield, Poisonous, la game est finie. Tu peux pas gagner contre ça. C'est impossible. Parce que là, il y a juste Poisonous, et ça reste encore chiant. Par contre, mes chances auront augmenté. C'est un beau snipe. Égaliser ça, man. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Ok, on pourrait. Parfait. Carte dorée. Pardon? Ça servirait à rien, ça, on va se le dire. Okay. Il me faut du poisonous. Il me faut. That's my boy. Hein, on n'a plus besoin de ça. En tout cas, je trouve. Fait que je pense qu'on va vendre ça. Ok. Pour vrai, je suis un peu stressé. Parce que on est quand même en série, puis il y a surtout qu'il y a un achievement, c'est de pas perdre une seule manche et d'être invaincu. Et ça se passe là, là.
ça fait mal. Ok. Là. Et je peux comme rien vendre. Ça c'est utile, mais comme il n'y a pas de Divine Shield, ça me fait chier. Une recrue tant que vous le pouvez. Faudrait qu'on pogne. Non. Allez-y, engagez une de ces recrues. Oh fucking shit. Ok. Et là, tu sais. Attends, wait a minute. Comment il... son murloc a eu Divine Shield? Ok, attends. On va vendre lui. On va mettre. Maxina, on va le mettre là. Pourquoi j'ai actualisé? Pourquoi j'ai actualisé, man? C'est de la merde. Pour vrai, comment il a eu son Divine Shield, son Murloc? Ah, s'il y a Ice Block. Comment il a eu? Elle l'explique. Oh, ben oui, une carte. Là, je sais pas si je gagne ou non. Je gagne. Et il y a Ice Block. C'est le fun. Merci Fiogo via Vizuro. Me enlever la chance d'avoir un... une belle win. Déjà que tu me fais chier avec tes murlocs. Tu me fasses encore plus chier. Il y a plus rien à faire. Hein. Il y a plus rien à faire. Bon, il a quand même fait 24 de dégâts. Fait que je suis positif pour ça. Si il change complètement ses affaires, je pense pas que ça va rien faire pour moi. Bien dit, je pense. Je pense pas que ça va rien changer. Si, admettons, il vire. Il spawn des poisonous. Vu que je suis prêt pour ça. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Bon, ben, I guess qu'on win. On a win. Man, quel game.
That's it! That's it, man! Un perfect! Wow!